Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de nous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons aujourd'hui Julien-Pierre Nouhan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée, et Colin Febvre, économiste allocataire de la société Lazard Frères Gestion, avec laquelle nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années. Nous entretenons un partenariat sur la gestion pilotée depuis 2006. La gestion pilotée Lazard, c'est aujourd'hui plus de 15 profils sur nos trois contrats d'assurance vie différentes, donc avec Generali, Suravenir et Swiss Life. Et nous allons ce soir essayer donc de décrypter ce qui s'est passé sur les marchés depuis le début de l'année et les impacts que cela a pu avoir sur les différents profils de gestion pilotée. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour commencer, Donc, je vais laisser dans un premier temps la parole à Julien-Pierre. Et donc, pour commencer, Julien-Pierre, lors du précédent webinaire, vous nous aviez indiqué être en confiance concernant la gestion de la crise sanitaire au niveau de l'économie mondiale. Et donc aujourd'hui, pouvons-nous reparler et parler plutôt de ce rebond lié à la crise du Covid sur ces derniers mois? Alors effectivement, l'économie est encore aujourd'hui impactée par ce qui se passe au niveau de la situation sanitaire et de l'épidémie de Covid, avec en Europe une nouvelle vague. Ce qu'on constate toutefois, c'est que les vaccins restent efficaces pour éviter les cas graves, hein, s'ils n'empêchent pas nécessairement la contagion, ils limitent considérablement les cas graves nécessitant une hospitalisation de longue durée. Et donc, cela ouvre du champ pour limiter l'impact des mesures de restriction, hein, faire que les mesures de restriction soient moins fortes que par le passé. Par ailleurs, les systèmes économiques se sont adaptés hein, à tout cet ensemble de mesures de restriction. Et donc, on pense que ce qu'on voit sur l'épidémie, avec donc également un nouveau variant, le variant Omicron, dont il semble qu'il soit plus contagieux que le variant Delta, mais peut-être aussi un peu moins grave. Donc, on pense toutefois que tout ça n'empêchera pas la poursuite de la reprise économique, hein, comme on peut le voir sur le slide suivant. Les PIB des principales économies développées ont nettement rebondi par rapport au deuxième trimestre 2020. Hein. Deuxième trimestre 2020, on avait mis sous cloche toute une partie de l'activité économique dans différents endroits. Et donc, ça avait eu des effets absolument énormes, des baisses d'activité qu'on n'avait jamais connues en temps de paix jusqu'à présent. Et donc depuis, on s'est repris. On a eu au printemps, l'hiver dernier encore des confinements hein, qui ont pesé sur l'activité. Et ce qu'on a pu voir, c'est que sur les deuxième et troisième trimestres cette année, un rebond marqué hein, qui a permis aux États-Unis de déjà repasser au-dessus du niveau d'activité du quatrième trimestre 2019. Alors, en Europe, de s'en rapprocher très fortement hein, et donc très probablement sur le trimestre en cours, de revenir au moins à ce niveau d'activité. Et on pense que la tendance va se poursuivre. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises de soutien de la part des pouvoirs publics, tant sur les plans budgétaires que monétaires, ont permis de protéger le secteur privé et donc créer les conditions d'une reprise de l'activité. D'accord. Par ailleurs, on constate une augmentation des prix au niveau des entreprises américaines. Pourriez-vous nous présenter les perspectives macroéconomiques pour le marché américain? Oui, alors aux États-Unis, on a un vrai sujet d'inflation. L'inflation atteint des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis une trentaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on a cette demande finale qui est très dynamique. Et on a de l'autre côté un appareil productif qui est encore sous contrainte. Pourquoi? Parce que certaines chaînes de production sont perturbées par ce qui s'est passé l'année dernière encore, parce que on a très largement soutenu la demande. Et donc, une demande forte qui s'adresse à une offre contrainte, ça crée des tensions sur les prix. Et on le voit sur ce graphique, hein, les prix
l'indice CPI, indice des prix à la consommation américaine, qui dépasse les 6%. Ça s'explique en partie par l'augmentation des prix de l'énergie, mais même si vous regardez cette mesure qu'on appelle le core CPI, donc l'inflation sous-jacente où on enlève les prix de l'énergie et de l'alimentation, vous voyez qu'on est quand même sur un rythme encore de 4,5%, là aussi, hein, plus haut depuis une trentaine d'années. Donc une vraie tendance, des vrais chiffres d'inflation très très forts. Et probablement, comme on peut le voir, probablement en fait une poursuite de ce mouvement sur les prochains trimestres. Sur le slide suivant, on peut voir les intentions des entreprises au niveau de leur politique de prix. Et vous voyez qu'on est sur une situation tout à fait exceptionnelle sur les 50 dernières années. Les entreprises n'ont jamais anticipé autant d'augmentation de prix. Donc ça nous dit que cette question de l'inflation, elle est avec nous et elle va peut-être rester avec nous un certain temps. D'accord. La BCE l'a qualifié de transitoire, mais quelles sont réellement les perspectives d'inflation et quelles pourraient être les réactions de la Fed et la BCE dans les mois à venir? En fait, tout dépend de ce qui va se passer sur le marché du travail. Grosso modo, lorsque vous avez un choc inflationniste, peuvent se produire deux choses. La première, c'est que ce choc inflationniste vient dans une économie où on n'a pas de pression où les salaires vont rester stables. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un choc de pouvoir d'achat négatif, qui en fait va peser sur l'activité économique, sur la demande, et tout cela va rééquilibrer l'offre. Va rééquilibrer l'offre et la demande. La demande va revenir au niveau de l'offre et donc ça va réduire les pressions inflationnistes. Par contre, si vous avez des salaires qui se mettent à accélérer en ligne avec l'inflation, là vous avez la mise en place de ce que les économistes appellent une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent, disons, de 5%, les salariés négocier avec leurs employeurs une augmentation de 5-6% pour faire face, ils l'obtiennent. Ça, c'est aussi important, hein, le fait qu'ils l'obtiennent. Et donc, quelque part, cette augmentation de 5-6% des salaires, elle rentre aussi dans la structure des coûts des entreprises. Et donc, en fait, les entreprises vont être incitées à encore augmenter leur prix. Et vous avez donc cette espèce de boucle qui se crée, qui va entraîner une dynamique inflationniste plus forte, plus longue, et ça va faire progresser les anticipations d'inflation. Et donc là, vous vous retrouvez avec une inflation beaucoup plus pérenne, hein, effectivement, qui n'a plus rien de transitoire. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales vont être très attentives à ce qui se passe sur le marché du travail pour déterminer leur politique monétaire. Et la question aujourd'hui, c'est typiquement, si on regarde les États-Unis, où en est le marché du travail? Si vous regardez certaines choses comme la population en emploi aux États-Unis, vous êtes sur des niveaux de réserve assez importants. Mais si vous regardez le nombre d'offres publiées, comme on peut le voir sur ce graphique, vous vous rendez compte qu'il y a eu une très très forte accélération de ces offres d'emploi qui sont sur des niveaux historiquement très élevés. Et tout ça génère des tensions sur le marché du travail. Alors, ces tensions, elles sont appréciées de manière différente par les différents acteurs, comme on peut le voir sur le graphique suivant. Ces tensions, en fait, elles proviennent ce qui s'est passé pendant cette crise. Si vous regardez le taux de participation, en fait, mesure rapporté à la population, alors aux États-Unis, au-delà de l'âge de 16 ans, le nombre de personnes qui sont effectivement soit en emploi, soit à la recherche d'un emploi. Et ce qu'on voit, c'est que la crise Covid a entraîné une sorte de chute brutale, hein, de ce taux de participation. Pourquoi? Parce qu'en fait, un grand nombre de personnes qui étaient à l'âge de la retraite ou proches de l'âge de la retraite se sont posé la question de savoir est-ce qu'ils allaient continuer à travailler. Hein, jusqu'à présent, jusqu'à 2019, ils continuaient à travailler parce que l'activité économique était bien orientée et porteuse. Et confrontés à ce qui s'est passé, se sont dit on va partir à la retraite. Et donc, lorsque vous regardez la structure par âge de la population active américaine, vous voyez que c'est très clairement ce qui s'est passé. Et donc, ces gens-là ne vont pas nécessairement revenir sur le marché du travail. Et donc, face à ces demandes supplémentaires de postes, hein, les entreprises ont posté des offres d'emploi très importantes,
vous avez peut-être moins de personnes qui sont prêtes à venir travailler. Donc, ça, c'est ça qui fait la tension de ce marché, du travail. Sur le slide suivant, on peut voir justement le ressenti des ménages et des entreprises par rapport à ce marché du travail. La courbe bleu clair vous donne le ressenti des ménages, avec des ménages qui estiment que le marché du travail est assez tendu, hein, comme il a pu l'être au début des années 2000. Par contre, si vous regardez la courbe bleu foncé, l'appréciation des entreprises, vous voyez qu'on est sur une situation totalement exceptionnelle, bien plus tendue qu'on ne l'était en 2018 ou en 2000. Et donc ça, nécessairement, ça génère en fait de la tension dans le marché du travail. Et la conséquence de cette tension du marché du travail, on le voit sur le slide suivant, c'est une accélération des salaires à des niveaux historiquement élevés. Hein. Si on exclut ce qui s'est passé l'année dernière, qui s'expliquait par des effets techniques liés à la composition de cet indice, vous voyez qu'en fait, la progression actuelle des salaires est la plus forte depuis le début des années 80. Et donc ça veut dire qu'on a peut-être une boucle prix-salaire qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. D'accord. Aujourd'hui, donc maintenant passons en Europe. Le taux de chômage a diminué cette année et l'inflation a augmenté. Pourriez-vous nous présenter les perspectives macroéconomiques pour le marché européen? Voilà, en Europe, on l'a vu, hein, le rebond de l'activité est en train de se faire, presque aussi vigoureux qu'aux États-Unis, mais un peu moins vigoureux. En termes d'inflation, là aussi, on est sur quelque chose d'un peu moins vigoureux, hein, avec une inflation globale à 5% et une inflation core, donc hors alimentation, énergie, autour de 2,5%. Donc, on n'est pas encore sur les niveaux de tension qu'on observe aux États-Unis. Mais lorsqu'on regarde le marché du travail, hein, le taux de chômage, vous l'avez dit, a baissé. Il a baissé, aujourd'hui, il se situe à 7,3%, 7,4, hein, c'est le niveau des précédentes fin de cycle, hein, donc des moments où le marché du travail était relativement tendu. Lorsqu'on regarde des choses comme les offres d'emploi publiées par les entreprises, elles sont sur des niveaux très élevés, hein, et donc ça veut dire que cette baisse du taux de chômage va très certainement se poursuivre. La principale différence, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, pour l'instant, on n'a pas encore d'accélération des salaires. Hein. On sait que le marché du travail en Europe a beaucoup d'inertie, hein, par rapport à ce qu'on observe aux États-Unis, que les négociations salariales sont généralement des négociations annuelles qui mettent plus de temps à se répercuter dans les données. Donc, pour l'instant, dans les données économiques, on ne voit pas encore cette accélération des salaires. C'est vrai que les discours des entreprises ont tendance à valider cette idée d'une accélération des salaires, mais on ne la voit pas encore dans les données. Donc, pour résumer sur la question, en fait, c'est donc on a des contextes qui sont quand même potentiellement générateurs d'accélération de l'inflation. Est-ce que ça se transmet aux anticipations? Pour l'instant, modérément. On a des anticipations d'inflation qui se sont redressées. Hein. Sur ce graphique, vous avez les anticipations de marché. Hein, qu'est-ce que les investisseurs attendent comme niveau d'inflation? Et vous voyez qu'on est, remonté, hein, par rapport au niveau très bas qu'on avait atteint en 2020. Mais on est encore au-dessous des niveaux qui prévalaient entre 2006 et 2015. Donc, les anticipations restent raisonnables. Sur le slide suivant, on dresse une conclusion. Donc, aujourd'hui, on a des conditions d'une demande très dynamique, en Europe, aux États-Unis, des problèmes d'offres qui perdurent et donc qui génèrent de l'inflation. Et aujourd'hui, la variable clé, c'est vraiment l'inflation aux États-Unis. Parce que si cette inflation reste forte, eh bien, il faudra que la Banque centrale américaine en tienne compte et donc durcisse peut-être plus rapidement que ce qui est anticipé aujourd'hui par les marchés sa politique monétaire. Alors, on va passer maintenant aux conséquences sur les marchés, hein, de ce scénario. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation actuelle sur les marchés, on a des taux réels, donc des taux corrigés de l'inflation qui sont extrêmement bas. Pourquoi ? Parce que ces taux réels sont actuellement tirés à la baisse par l'augmentation des anticipations d'inflation.
et les taux nominaux auxquels ils s'impactent n'ont pas encore totalement rattrapé. Si on regarde d'autres éléments des marchés d'actifs, hein, vous avez c'était le slide 26, je crois. Voilà, vous avez les anticipations des résultats des entreprises de l'Eurostoxx qui ont été nettement revus à la hausse. Au début de l'année, les investisseurs attendaient une hausse des résultats des entreprises de l'ordre de 30, d'une trentaine de pourcents. En réalité, les résultats des entreprises vont remonter d'environ 70% dans la zone euro sur 2021. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, le rebond qu'on a observé sur cette année, la forte progression des marchés était relativement saine. Sur ce graphique, page 27, vous voyez les multiples de valorisation des entreprises. Ça vous dit combien d'années de résultats va-t-on payer pour acheter une action ? Ce que vous montre ce graphique, c'est que sur les marchés européens, japonais et émergents, on a eu une forte baisse de ces multiples. Donc, les actions, toutes choses égales par ailleurs, malgré la hausse de près de 20% qu'on a observée, sont devenues plutôt moins chères. C'est moins le cas aux États-Unis, hein, où on maintient des multiples de valorisation relativement élevés. Ça, évidemment, ça pose des questions pour le potentiel hein, de performance de ces actions, surtout si jamais on commence à avoir une remontée des taux. Sur le slide suivant, on voit un multiple de valorisation du marché américain hein, où on rapporte en fait le prix des actions au chiffre d'affaires des entreprises. Vous voyez qu'on dépasse les niveaux de la bulle de 2000. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous interrogent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus profitables qu'elles ne l'étaient alors. Donc, c'est pour nous un motif un peu de prudence, notamment sur le marché américain aujourd'hui. D'accord. Et on voit très bien aujourd'hui et depuis le début de l'année que les marchés performent. Mais quelles sont les classes d'actifs les plus performantes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a des marchés actions qui ont affiché de très très bonnes performances. Les obligations, ce qu'on appelle les obligations offensives, hein, le haut rendement, la dette subordonnée financière ont également offert de bonnes performances. Par contre, les actifs les moins risqués ont affiché des performances relativement mitigées. Et donc aujourd'hui, quelles sont nos perspectives? Eh bien, on est en fait beaucoup plus prudent que par le passé. On a un contexte global de croissance qui reste favorable aux actifs risqués, aux actions, aux crédits. Mais on a aussi cette question de l'inflation hein, qui est très, très prégnante et qui peut avoir des impacts importants sur les marchés. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de ce risque inflationniste, nous avons adopté une position un peu plus prudente dans nos allocations d'actifs et sommes très vigilants à tout ce qui pourrait se passer. Et voilà. Donc, pour résumer, on a un Covid qui est toujours présent, hein, qui pèse un petit peu sur l'activité à court terme, mais beaucoup moins que par le passé. Une reprise économique qui va se poursuivre. Hein, on n'anticipe pas de retournement à la baisse des économies. Une question inflationniste qui est un peu plus durable que par le passé. Hein, et donc, ça pose évidemment des questions importantes pour les marchés. Pourquoi? Parce que ça pose des questions sur le niveau des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui encore relativement bas. Et si ces taux d'intérêt pourraient remonter, ça aurait des conséquences notables sur plusieurs classes d'actifs allant jusqu'au marché actions. Donc, on surveille attentivement, très attentivement, la question de l'inflation, en plus effectivement, de la situation sanitaire. D'accord, merci. Alors, juste pour revenir, vous en avez parlé durant vos perspectives. Aujourd'hui, et beaucoup de clients nous en parlent, le Covid touche essentiellement, et là, cette dernière vague, et essentiellement l'Europe. Quel pourrait être un impact mondial là dans les futurs mois? Alors, ce qu'on a pu voir par le passé, c'est que les vagues restent rarement totalement limitées à une région. Hein.
Covid est une maladie extrêmement contagieuse et on a généralement une diffusion. Et quelque part, c'est ce qu'on voit avec cette histoire de variant Omicron. Tant que toutes les économies, tous les pays du monde n'auront pas atteint un niveau de vaccination suffisamment important, il sera difficile de mettre totalement cette histoire de Covid derrière nous. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que grâce à la vaccination, on limite la pression sur les systèmes hospitaliers et donc on a moins besoin de mettre en place des mesures de rigueur. D'autre part, les systèmes économiques se sont adaptés et donc l'impact sur la croissance économique est quand même différent. Je modulerai ça en parlant un petit peu des pays asiatiques qui continuent de choisir une stratégie zéro Covid. Cette stratégie zéro Covid qui vise à tout fermer dès que des cas de Covid apparaissent dans un endroit, ça continue d'avoir un impact un peu plus fort sur l'activité. Un certain nombre de pays d'Asie ont abandonné cette stratégie. On verra si ça va, d'autres le feront dans les prochains mois. Merci Julien Pierre pour ces analyses. Nous allons passer maintenant aux gestions pilotées et aux différents profils. Je vais laisser la main à Colin. Pourriez-vous brièvement nous rappeler les mouvements effectués au cours de l'année ? On voit qu'on a eu 3 arbitrages cette année sur les profils de gestion pilotée. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, donc au cours de l'année 2021, nous avons opéré 3 arbitrages sur l'ensemble des profils de gestion pilotée, 3 arbitrages qui sont allés dans le même sens. Il faut savoir qu'au début de l'année 2021, les profils étaient positionnés pour profiter d'une reprise de l'activité et d'une hausse des marchés financiers, puisque l'exposition aux actions se trouvait pour l'ensemble des profits dans les parties hautes des marges de manœuvre. Donc, on avait une surpondération des actions dans les profils ça a été bénéfique à leur performance. Et nous avons opéré un premier arbitrage à la fin du mois de mars, donc dans un contexte où les marchés d'actions avaient extrêmement bien démarré le début d'année. Les marchés étaient portés par des politiques monétaires très accommodantes et un stimulus budgétaire massif qui avait été voté aux États-Unis. À ce moment-là, on a décidé de prendre une première fois du profit. Nous avons allégé les actions américaines et les actions européennes. A contrario, dans la poche action qui diminuait de taille, nous avons légèrement renforcé les actions émergentes et les actions japonaises qui avaient pris du retard dans le rebond depuis le mois de mars 2020. Au sein de la poche action, on a également un peu changé le profil de gestion puisque nous avons plutôt allégé des fonds exposés au style de gestion croissance pour renforcer des fonds plus exposés à une gestion privilégiant les valeurs cycliques et décotées. Voilà pour la partie action. On a dans le même temps allégé les obligations convertibles et le fonds diversifié flexible Lazard Patrimoine. Et en contrepartie de ces allègements des actifs les plus risqués qui avaient bien bénéficié de cette reprise, on a renforcé les obligations en choisissant la catégorie la moins risquée du gisement des obligations. Donc voilà pour cet arbitrage opéré à la fin du mois de mars. Nous avons opéré un second arbitrage sur la page suivante au mois de juin, dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc à ce moment-là, la levée des restrictions sanitaires et le développement de la vaccination a permis à l'économie de poursuivre son redressement. Donc on a toujours une croissance qui est dynamique et une poursuite de la hausse des actions quasiment en ligne droite depuis l'automne 2020. Ce qui a porté les actions, on l'a vu sur une des diapositives évoquées par Julien Père un peu plus tôt, ce qui portait les actions sur des niveaux de valorisation élevés. On commençait à payer les actions un peu chères, particulièrement sur le marché américain. Et nous avons des portefeuilles qui avaient encore une fois bien bénéficié de la hausse de ces actions et du crédit. Et nous avons une nouvelle fois pris du profit. Nous avons allégé cette fois-ci les actions européennes, américaines et émergentes. Et
renforcer les actions japonaises qui, pour le coup, n'avaient pas fait grand-chose cette année. En contrepartie de cet allègement des actions, nous avons renforcé le monétaire et les obligations. Et dans la poche obligataire, nous avons plutôt réduit les fonds les plus exposés au crédit pour renforcer les fonds d'obligation les moins risqués. Ça nous amène au troisième arbitrage que nous avons réalisé au début du mois d'octobre. Donc, on a une dynamique de la demande qui restait forte avec la reprise économique, les capacités de consommation avaient été préservées, notamment grâce à des mesures de soutien et notamment aux mesures de chômage partiel. Donc, on avait une demande qui était bien présente et avec plutôt des problèmes du côté de l'offre, c'est-à-dire des entreprises qui n'arrivent pas tout à fait à satisfaire cette demande, n'arrivent pas à produire tous les articles qui leur sont demandés. Et on redoutait que ça puisse avoir pour conséquence un peu de volatilité. On avait par ailleurs d'autres facteurs qui pouvaient être facteurs de volatilité, comme la hausse de l'énergie qui était importante, les pénuries observées sur différentes matières premières et matériaux, et également une forte augmentation des coûts du fret. Et cette problématique de l'inflation qui devenait de plus en plus prégnante, Julien Pierre en a beaucoup parlé, avec des banques centrales qui ont été amenées à durcir leur discours. Et puis, nous avions également des discussions, des négociations même assez tendues au Congrès américain pour établir le budget, pour relever le plafond de la dette, pour faire passer le plan de dépenses en infrastructure et de dépenses sociales. Et donc, tout ça nous a amené à réduire une nouvelle fois l'exposition aux actions des profils. Donc, nous avons allégé les actions au profit des obligations les moins risquées et du monétaire. Nous avons allégé principalement les actions américaines, japonaises et les petites capitalisations européennes qui avaient connu une bonne performance. A contrario, nous avons renforcé les actions de grande capitalisation européenne. Nous pensons que dans un contexte où les taux obligataires seraient amenés à remonter, les grandes capitalisations européennes ont des perspectives de performance plutôt supérieures aux autres catégories d'actions. Et nous avons également, à l'occasion de ce dernier arbitrage opéré au début du mois d'octobre, renforcé l'exposition au dollar, puisque nous pensons que la politique monétaire aux États-Unis va être amenée à se durcir avant la politique monétaire dans la zone euro et que ça va être plutôt un facteur de soutien au dollar. D'accord, merci Colin. Est-ce que vous avez prévu de réaliser un arbitrage sur cette fin d'année ou des prochaines ? Alors, il se trouve qu'on est sur le point de réaliser un quatrième arbitrage et nous allons une nouvelle fois alléger l'exposition aux actions. Donc, il faut savoir que, par exemple, sur un mandat carte blanche, l'exposition aux actions peut varier entre 0 et 100%. Donc, on a une totale latitude pour fixer l'exposition aux actions. On a débuté l'année avec une exposition aux actions proche de 75 vers 74%. Donc, avec des profils carte blanche très exposés aux actions. Donc, on a bien profité de la bonne performance des actions cette année. Et nous avons, au fil des trois arbitrages que je viens de mentionner, ramener cette exposition pour ce mandat carte blanche vers 64%. Donc, on est toujours surexposé par rapport à une neutralité qui se situerait au milieu de nos marges de manœuvre vers 50%. Et nous nous apprêtons à ramener l'exposition aux actions à la neutralité pour les raisons invoquées par Julien Pierre, à savoir que la hausse de l'inflation fait peser le risque d'un durcissement des politiques monétaires, un durcissement qui n'est pas forcément bien anticipé par
les investisseurs et nous préférons dans ce contexte réduire encore l'exposition aux actions pour se positionner à peu près au milieu des marges de manœuvre. Merci. Donc maintenant, nous allons parler des performances de ces différents profils. Colin, je vous laisse la parole. Voilà, donc sur cette diapositive, on a fait figurer les profils carte blanche qui sont disponibles chez les trois assureurs, Swiss Life, Suravenir et Generali. Vous voyez que les performances des trois profils sont proches. On fait figurer sur le graphique la performance sur une durée de 5 ans qui s'arrête à la fin du mois de novembre 2021, donc de fin novembre 2016 à fin novembre 2021. Et vous voyez que les performances pour les profils carte blanche chez les trois assureurs sont proches de 35%. On voit sur le graphique qu'on a connu des à-coups. On voit par exemple l'année 2018 qui est une mauvaise année avec une baisse des actions quasiment tout au long de l'année avec un point bas atteint à la fin du mois de décembre. Heureusement, cette année, la baisse de performance de l'année 2018 est rapidement récupérée au cours de l'année 2019. On voit également le choc massif encaissé au moment de la dissémination de l'épidémie de Covid en Europe au mois de mars 2020 avec une forte baisse de performance qui est également rapidement récupérée et donc sur la durée cette performance de 35%. Depuis le début de l'année, on est proche de 9% en performance sur ces trois profils carte blanche que nous avons pris en exemple. Alors, merci de cette intervention. Alors, on parle beaucoup du profil carte blanche car c'est le profil qu'on retrouve au sein de nos trois contrats. Chez Generali, on propose 10 profils de risque, chez Suravenir 5 et chez Swiss Life 2. Et le seul profil qu'on trouve à chaque fois, ça va être le profil carte blanche. On a plusieurs questions de nos clients par rapport à ce profil qui, normalement, peut avoir une exposition aux actions très faible en cas de perspective défavorable ou à l'inverse de bénéficier d'une exposition maximale et d'avoir une exposition beaucoup plus importante. Mais lorsque l'on regarde les performances de ce profil, on va se situer sur un profil assez médian. Alors que pour beaucoup de clients, le profil carte blanche devrait figurer dans les meilleurs profils avec les performances les plus adaptées. Alors, ce profil carte blanche, comme on l'a dit, il a une très grande latitude. Ça veut dire que quand on est très optimiste, on aura la capacité de monter l'exposition aux actions à un niveau très élevé. On va se rapprocher de 100%. À l'inverse, quand on sera très, très pessimiste, on aura la capacité de baisser l'exposition aux actions très fortement et de se rapprocher de zéro. Donc, ça veut dire que ce profil carte blanche, en fait, quand on est très optimiste, il va avoir des performances proches des profils de risque les plus, avec le niveau de risque les plus élevés. Si je prends les profils de Generali, ça veut dire qu'on va se rapprocher des performances des profils 7, 8, 9. À l'inverse, quand on est pessimiste, on va avoir un niveau d'action qui va être bas. Et on devrait avoir des performances de ce profil carte blanche qui vont être proches des profils, mettons, 1, 2, 3. Et donc, en moyenne, on va avoir un profil carte blanche qui va avoir des performances intermédiaires entre les profils les moins risqués et les profils les plus risqués, puisque des fois, il ressemble à un profil risqué et des fois, il ressemble à un profil prudent. D'accord. Alors, et une autre question, est-ce qu'il pourrait être judicieux d'effectuer plus d'arbitrage sur le profil carte blanche que sur les autres profils ? Le profil carte blanche fait l'objet des mêmes arbitrages que l'ensemble des profils. On passe un temps important à se forger des convictions que l'on va mettre en place de la même manière dans l'ensemble des profils.
ce qui, puisque en fait, quand on a une conviction, quand on a identifié une opportunité d'investissement ou à l'inverse, quand on identifie un risque, cette opportunité ou ce risque est valable pour l'ensemble des profils, pour l'ensemble des clients. Il n'y a pas des clients pour qui on souhaite être plus prudent et d'autres pour lesquels on souhaite être plus agressif. Les clients ont choisi le type de profil dans lequel ils souhaitent se positionner. La gestion, de notre côté, se fait de façon simultanée pour tous les profils. Ce qui va changer, c'est le niveau médian d'exposition aux actions. Si vous êtes sur un profil carte blanche, on l'a dit, on va être sur un niveau moyen d'exposition aux actions de 50%. Si on est sur un profil neuf, on va être sur un niveau moyen d'exposition aux actions de 75%. Si on est sur un profil 1, par exemple, on va être sur un niveau moyen d'exposition aux actions de 15%. Donc, on n'a pas le même niveau de risque embarqué. Et ensuite, on n'a pas forcément les mêmes marges. Sur un profil carte blanche, on a des marges de plus ou moins 50. Sur un profil 9, on a des marges de plus ou moins 25. Et sur un profil 1, on va avoir des marges de plus ou moins 15. Donc, ce qui va varier entre les profils, en fait, c'est le niveau moyen d'exposition aux actions et puis l'ampleur des mouvements que l'on va opérer. Voilà. Mais ensuite, on va faire les mêmes mouvements dans l'ensemble des profils puisqu'on a la même conviction de marché pour l'ensemble des clients. D'accord. Voilà. Et donc sur cette diapositive, c'était notre conclusion. On a un sentiment qui est toujours positif sur le fond de l'économie avec cette croissance qui est forte, mais un niveau de vigilance accru. Et donc, ça nous a même amené à préparer ce quatrième arbitrage que nous nous apprêtons à mettre en œuvre, où nous allons ramener l'exposition des actions à la neutralité. Ça fait très longtemps qu'on était dans la partie haute des marges de manœuvre. On va se mettre au milieu des marges de manœuvre parce que nous pensons que l'évolution de ce qui a trait à l'inflation et du contexte sanitaire nous appelle à être très vigilants. Merci Colin pour cette intervention. Nous allons passer maintenant aux questions. Alors, je pense que nous avons reçu de nombreuses questions de la part de nos clients. Nathalie, avons-nous des questions ? Alors, une première question, effectivement. On a beaucoup parlé Covid. Quels sont vos points de vue sur le risque géopolitique Taïwan-Ukraine, la rivalité US-Chine, les impacts écologiques ou encore le changement du climat ? Alors, il y a beaucoup de sujets. Sur les rivalités géopolitiques, effectivement, sont des éléments structurants du système international actuel. On avait déjà eu des cas, si on prend les problèmes les uns avec les autres. Sur l'Ukraine, on avait déjà des cas où la Russie avait augmenté, massé ses forces à la frontière pour monter l'état d'alerte du pays de l'Ukraine, pour exercer des pressions aussi sur les pays occidentaux, sans que ça soit suivi d'actions militaires. C'est vrai que là, aujourd'hui, il y a davantage de questions. On va surveiller attentivement ce qui se passe. Généralement, ces crises vont avoir un impact temporaire sur les marchés, mais pas nécessairement générer de mouvements de baisse durable dont on met du temps à se remettre. Sur la question de Taïwan, on sait que la Chine veut récupérer la maîtrise de Taïwan. Ça sera sans doute un événement des 10 prochaines années, mais manifestement, de ce qu'on peut lire, hein, sur la base du rapport de force actuel, la Chine n'anticipe pas d'action dans les prochains mois, trimestres. Par contre, ça a aussi d'autres conséquences, hein, plus fortes, et qu'on commence à voir. Hein. La mondialisation des 20 dernières années avec un développement massif de la production offshore en Chine pour les marchés occidentaux peut-être est en train de se défaire.
On sait que la production de semi-conducteurs, de certains semi-conducteurs, est très dépendante d'usines sur l'île de Taïwan. On commence à construire d'autres usines produisant ces semi-conducteurs ailleurs dans le monde. Donc, ce sont des facteurs effectivement qui ont toujours un impact sur les marchés. Difficile à anticiper très en amont. Hein. Le marché se focalise rarement, disons que par rapport à d'autres facteurs comme le cycle économique, c'est beaucoup moins important. Sur ce qui est transition énergétique, là aussi, hein, on est sur quelque chose de structurant pour les prochaines années. Notre sentiment est que ça va générer des besoins d'investissement très importants et que donc ça va générer une activité économique importante. Certains secteurs seront soumis à rude épreuve hein, parce qu'ils appartiennent ils ont des activités beaucoup trop carbonées. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans nos gestions, on met en place quasiment tous nos actifs sont l'objet d'une analyse ESG. Hein. Donc, c'est un sujet très important aujourd'hui. E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Et tous ces sujets au niveau de chaque valeur. Merci. Une autre question. Faut-il, selon vous, se repositionner sur les marchés émergents et sur la Chine ? Alors, la Chine a été très pénalisée par les décisions politiques de l'été de cibler certains secteurs qui ne rentraient pas dans la logique de la prospérité commune. Hein, c'est notamment le secteur de l'éducation à but lucratif, qui est un secteur notable en Chine, et les autorités chinoises ont dit que non, l'éducation n'était pas faite pour gagner de l'argent, et donc ça a pénalisé un certain nombre de secteurs. En Chine, on reste sur un marché hein, où l'intervention politique reste très importante, et donc ça doit être pris en compte dans la valorisation des titres. Sur les marchés émergents au global, on est encore dans une phase hein, de commencer il y a une dizaine d'années de sous-performance par rapport aux pays développés. Pourquoi ? Parce que la phase précédente hein, de surperformance des marchés émergents avait été tirée par la croissance chinoise, le besoin de matières premières de l'économie de cette croissance chinoise. Depuis une dizaine d'années, la croissance chinoise ralentit, donc ce moteur hein, de la demande pour les émergents est moins fort. Les émergents ont moins, à part la Chine, de géants de la tech, qui sont vraiment les valeurs que le marché apprécie énormément aujourd'hui. Reste aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation actuelle, la question de la valorisation. Les marchés émergents sont les marchés les meilleurs, les moins chers parmi les grandes catégories de marchés. Donc, il peut y avoir un intérêt là-dessus. Il faudra quand même surveiller toute cette question d'inflation et de taux d'intérêt et donc de dollars. Si jamais on continue d'aller dans un environnement de dollars haussiers, ce qui est le cas jusqu'à présent, ça pourrait rester un facteur compliqué pour les marchés émergents. Mais peut-être que dans les prochains mois, en fonction de ce qui se passera, ce sera effectivement l'occasion, hein, parce que les marchés émergents sont bien moins chers, de se repositionner sur ces actifs. Merci Julien-Pierre. Une autre question, au vu de la volatilité actuelle des marchés, est-il opportun d'investir dès maintenant ou faut-il attendre un peu ? Colin, peut-être, pouvez-vous apporter une réponse sur cette question ? Alors, c'est vrai que le timing de l'investissement est toujours important, mais ce qui est le plus important, en fait, c'est de choisir un profil de risque qui est adapté à son espérance de rendement et à son aversion au risque, sa capacité à supporter des baisses de marché. Et donc, le timing d'investissement est d'autant plus important qu'on va choisir de se positionner sur un profil risqué. C'est-à-dire que si vous choisissez d'ouvrir un contrat et avec une option de gestion pilotée sur un profil 1, le profil le plus prudent, finalement, ce n'est pas très grave d'investir à un moment plutôt qu'à un autre, puisque la performance de ce profil va se construire de façon régulière dans la durée. Si, par contre, vous voulez opter pour un profil
neuf qui va avoir un objectif de performance beaucoup plus élevé, mais en contrepartie, un niveau de volatilité plus élevé, c'est sûr que le niveau d'entrée est plus important, puisque si on rentre sur un point haut, on va peut-être encaisser une baisse. À l'inverse, si on a l'opportunité d'entrer sur un point bas, on va pouvoir bénéficier d'un rebond. Ce que je peux conseiller, une fois qu'on a déterminé le profil de son investissement, son horizon de gestion, c'est peut-être de faire un investissement initial et de le compléter ensuite dans un second temps, sachant que l'intérêt de la gestion pilotée, c'est que justement le pilotage de l'exposition aux actifs risqués est délégué à un professionnel, en l'occurrence nous est délégué, et que nous essayons de piloter l'exposition des profils aux différentes classes d'actifs en tenant compte justement du contexte macroéconomique et du contexte de marché. Donc, c'est vraiment important de bien déterminer son profil de risque, ses attentes en termes de performance, et ensuite, on peut commencer à investir, on peut investir en une fois ou on peut investir en plusieurs fois si on préfère lisser son niveau d'entrée. Mais l'intérêt d'une gestion pilotée, c'est justement qu'elle est pilotée. Merci Colin. Une autre question, le profil carte blanche est un profil risqué, donc normalement plus rémunéré. Quel aurait été l'impact si vous n'aviez pas fait d'arbitrage ? Si je n'avais pas fait d'arbitrage depuis le début d'année, on aurait eu une performance plus élevée puisque nous avons allégé les actions à trois reprises et que les marchés ont continué de monter. Donc effectivement, si on était resté toute l'année avec le niveau d'exposition du début de l'année, on aurait eu des performances plus élevées, et ça, c'est valable pour l'ensemble des profils. Après, sachant que les marchés ont progressé très fortement depuis le point bas atteint au niveau du 18 mars 2020, sur le CAC, on était, il me semble, en dessous de 3008. Le CAC a dépassé 7000 il y a quelques semaines. C'était, de notre point de vue, opportun de prendre un peu de profit, c'est-à-dire de matérialiser une partie du gain en vendant une partie de l'exposition aux actions au fur et à mesure que les marchés montaient et qu'apparaissaient différents facteurs de risque, et notamment cette problématique de l'inflation qui devrait, de notre point de vue, pousser les banques centrales à agir. Une autre question, pourquoi dans un contexte assez évidemment risqué pour la gestion obligataire, la gestion pilotée ne s'appuie-t-elle pas sur un fonds en euros comme Eurosima, Netissima, sur Avenir Opportunité ou encore Swiss Life ? Gestion certes faiblement positive, mais ayant le mérite de ne pas être négative. Alors ça, je veux, peut-être que Julien va y répondre, c'est aussi lié à la structure de votre offre. La gestion pilotée est une gestion 100% en unité de compte. Et donc, on n'a pas la possibilité dans l'enveloppe gestion pilotée de combiner des unités de compte et le fonds en euros, mais peut-être que les souscripteurs peuvent le faire d'eux-mêmes dans leur contrat et panacher la part de fonds en euros de leur choix et une part de gestion pilotée qui sera 100% en unité de compte. De notre côté, on va utiliser néanmoins des unités de compte pour s'exposer à la classe d'actifs obligataires, et on va choisir en fonction de nos perspectives des unités de compte qui investissent dans des actions, dans des obligations plus ou moins risquées. Dans la catégorie la plus risquée, on peut avoir des obligations high yield, on peut avoir de la dette subordonnée financière, et puis dans les segments les moins risqués, on peut aller investir sur des obligations d'entreprise investment grade, la catégorie la moins risquée du crédit, ou même sur de la dette d'État. Merci Colin.
En parallèle des actions émergentes, avez-vous prévu d'intégrer un fonds en matières premières dans les différents profils ? Alors, l'investissement en matières premières est quelque chose sur lequel nous sommes toujours très prudents. Pourquoi ? Parce que lorsque vous investissez en tant qu'investisseur financier sur les matières premières, vous n'achetez pas directement un stock de pétrole, de blé, de cuivre. Vous investissez sur des actifs financiers liés à ces matières premières, qui sont des contrats futurs, où en fait vous achetez le droit d'acheter du blé, du pétrole, du cuivre à une échéance donnée. Et donc ces actifs voient leur prix suivre plus ou moins directement le prix de l'actif sous-jacent, mais vous pouvez avoir une différence qui est liée à des questions comme le niveau des intérêts, le coût de stockage, les conditions physiques du marché sur telle matière première. Et donc, en plus de l'incertitude liée au fait de ne parier que sur l'évolution du prix de la matière première, vous ajoutez un facteur de volatilité supplémentaire. Ça peut être un facteur de rémunération, mais aujourd'hui, sur les dernières années, ça a été plutôt un facteur de rémunération négative. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours relativement prudent, d'une manière un peu structurelle, hein, sur l'investissement en matière première. Et d'autre part, pour nous, on est plus à l'aise avec des actifs financiers qui vous offrent une rémunération, un taux d'intérêt, un coupon qui peut être plus ou moins important, un dividende pour les actions, par rapport à effectivement ces investissements en matière première qui n'offrent pas de rémunération. Merci Julien Pierre. Enfin, une dernière question. Quel est votre avis sur les ETF ? Pourquoi ne les intégrer pas dans les différents profils avec la moitié, un portefeuille composé, la moitié d'actions et la moitié d'ETF ? Si on veut parler des actions, on a des actions dans les contrats de Swiss Life. Il y a deux profils en fait qui intègrent une partie en actions de 20%. Il s'agit du profil gestion privée, me semble-t-il, et du profil PEA gestion privée. Donc là, on va retrouver des actions. Et le reste de l'investissement des profils est réalisé en unité de compte. Alors, il peut, dans les univers d'unités de compte que nous utilisons pour réaliser nos investissements, nous avons effectivement accès à des ETF. Les ETF sont des unités de compte, en fait, comme les fonds de gestion active. Il se trouve qu'on pense que ça apporte de la valeur, combiner de la génération de performance qui vient de notre allocation d'actifs, les mouvements de renforcement ou d'allègement que nous allons opérer sur les différentes classes d'actifs. Donc ça apporte de la valeur. Et on pense que qu'on apporte également de la valeur en allant sélectionner des gestionnaires sur chacune des classes d'actifs, sur les actions américaines, sur les actions européennes, sur les obligations investment grade, sur les obligations high yield, en sélectionnant les OPCVM. On va sélectionner une gestion et on pense que ça apporte de la valeur d'avoir une gestion active de chacune des classes d'actifs. Mais on pourrait également faire appel à des ETF. Jusqu'à présent, on a préféré investir via des unités de compte gérées activement parce qu'on pense que ça apporte de la performance au profil. Merci Colin, merci Julien Pierre pour ces réponses. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Yves Gerbelot, conseiller en gestion de patrimoine, qui va vous rappeler les 5 points importants de ce webinaire et conclure bien entendu ce webinaire. Bonsoir à tous, quelques rapides mots de conclusion. On l'a bien vu, le marché sanitaire est agaçant et est interrogatif, mais c'est surtout l'inflation qui pose problème sur les marchés financiers, faisant craindre une baisse de ces marchés. On entend beaucoup d'avis sur un possible niveau élevé des marchés,
On en parlait avant l'élection de Trump, d'ailleurs, et chaque année, cette possible baisse ne s'est pas vérifiée. Donc, il y a toujours deux causes majeures aux accidents boursiers, les bulles et la dette, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase est presque invariablement la hausse des taux directeurs de la Fed. Et après la fin des rachats d'actifs qui s'accélèrent sous nos yeux, eh bien, on a une forte probabilité de hausse des taux directeurs. Et cette hausse de taux a plusieurs effets, trois en tous les cas. Quand les taux US remontent, cela provoque un retournement des marchés et ça peut mettre en difficulté les emprunteurs, notamment à taux variables, par exemple les ménages américains. Quand les taux montent, cela entraîne une hausse du dollar, nos intervenants l'ont largement souligné, qui alourdit la dette des emprunteurs en dollars, par exemple les émergents, et cela attire les capitaux aux USA au détriment de ces pays. On assiste enfin en ce moment à cette remontée vis-à-vis de remontée du dollar vis-à-vis de plusieurs devises émergentes, mais aussi de l'euro. Enfin, les taux très bas incitent à l'endettement, comme actuellement. En confiant vos investissements aux géants de Lazare, vous avez une approche stratégique de long terme, positionnée sur des actifs diversifiés de type actions et obligations, que les gérants vont travailler dans une logique opportuniste. L'approche visée est l'antithèse d'une approche de trader, car en réalité, les rotations dans le portefeuille sont plutôt faibles. On vise une performance régulière sur à minima 5 ans, idéalement plus. En risque, sur les risques qui sont notés de 1 à 7, hein, le risque le plus faible étant le risque 1, le maximum 7, le profil carte blanche, il est emblématique, il est en risque 5. Sur le contrat Generali, par exemple, il a donné en valeur actualisée sur un rendement moyen annuel depuis 13 ans, 8,21% par an. Si vous placez 100 000 euros sur ce profil il y a 13 ans, vous avez 279 000 euros aujourd'hui. Ça veut dire que cette épargne dont vous n'avez pas besoin, confiez-la à des gérants qui la feront fructifier. La même trajectoire sur 100 000 euros placés à 1% sur, on va dire, de très bons fonds euros sur les prochaines années, encore que 1% ce soit extrêmement, extrêmement fort comme probabilité, vous avez 114 000 euros. 114 000 euros, 279 000, ça vaut le coup de placer son argent. Encore une fois, l'argent dont on n'a pas besoin est au prorata de la notion de risque que vous allez chercher sur les marchés financiers. Enfin, le principal facteur de soutien des marchés financiers pour 2022 sera bien entendu les très importants plans de relance qui, pour l'instant, n'ont été déployés que de façon très marginale, les plans de relance en Europe et aux USA. Donc, des facteurs de soutien qui sont très importants et qui, je l'espère, vont faire en sorte que les marchés continuent leur hausse. Évidemment, ce ne sera pas une hausse en ligne droite. Il me reste pour ma part à vous saluer, à vous remercier de nous avoir suivis. Je reste et tous les conseillers d'Alta restent également à votre écoute, à votre entière disposition. Au plaisir de vous avoir en ligne dans des délais courts. À bientôt. Merci.